Je vais vous faire voir la livrée que j'ai fait sur la Skyline GTR. Donc la Skyline, c'est une voiture que j'utilise beaucoup en compétition parce que c'est une groupe 4. Donc cette livrée, j'ai passé à peu près dans les 4 heures à la faire, 4-5 heures, je me rappelle plus exactement, j'ai passé beaucoup de temps. À chaque fois, je l'ai évolué, fait évoluer, j'ai fait pas mal de modifications petit à petit. Elle n'est pas dans le tête de classement, c'est quoi? Elle a dû avoir une dizaine, une quinzaine de likes, c'est tout. Et c'est dommage parce que j'ai trouvé que c'était une très jolie livrée, puis il y avait du taf quoi, j'ai passé pas mal de temps aussi. Bon, je dis pas que les autres aussi, mais il y a beaucoup de livrées qui ne devraient pas avoir autant de likes que ce qu'elles ont. C'est un peu comme les photos. Il y a des photos, et certaines photos sont merdiques quoi. Elles ont rien d'exceptionnel et elles ont énormément de likes quoi. Donc je trouve ça dommage. Il y a tellement de gens qui publient de photos que on est noyé sous tout ce qui est livré, tout ce qui est combinaison, casque, photo, et ce qui est bien, on les voit pas par rapport à ce qui est pas bien, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir ma voiture. Si vous êtes sur GT Sport, venez liker un coup. Ouais, je vais vous faire voir vite fait quelques photos que j'ai faites dessus. Et par rapport aussi que je vous disais le casque, je vais vous faire voir que je vous conseille. Ah, c'est cette déco. Magnifique. Avec la combinaison. C'est celle-là, hop, comme ça. Et donc cet ensemble, ça donne super bien. On aime ou on n'aime pas. Et donc la combinaison, comme vous pouvez voir, ça donne ça. Et ça donne super bien, j'adore, je kiffe. Et j'en ai parlé là sur la dernière vidéo. Voilà, c'est tout. Mais je vous remercie d'avoir regardé.